allez mourir en hurlant aux pieds de Superman. Ben quoi? Y a un problème avec ses pieds? Je sais pas, mec. Pour l'instant, on a fait un sans-faute pour vous buter. Ah! J'adore joindre l'utile à l'agréable. Vous vous prenez pour une équipe? Vous n'êtes que des bêtes qui dépendent des autres pour survivre. Comme toi, Harkness. Un alcoolique illettré qui cherche désespérément à attirer l'attention. Et Floyd est un père absent, Sharky ne sera jamais un vrai petit garçon, et moi... C'est quoi déjà? Ah oui! Moi, je suis siphonnée d'Icarafan. Achète-toi de nouvelles vannes, du con. Tu te souviens? Le Joker? Lui, il était vraiment doué pour blesser les gens. Mais toi... Non. Même quand t'es méchant, tu restes trop gentil. T'as fait ton timbre aussi. Voler dans tout Gotham pour tabasser des méchants, nettoyer les rues, briser mentalement et émotionnellement tout ton entourage. À nous de jouer maintenant. Après tout ce qu'on a vécu... Oh. T'aurais jamais cru que ce serait moi qui t'aurais un patou. Tu en as fini avec ton petit sketch pathétique? Bientôt. Mais il faut toujours finir sur sa meilleure blague. C'est l'heure pour les méchants d'aller sauver le monde. Sacré bas de signal. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Au final, Batou a eu le dernier mot. Le vrai Batman, lui, il l'aurait voulu. Tu te souviens de sa vidéo inspirante? Son plan nous a aidés à vaincre Flash et Lanterne. On aurait peut-être dû regarder le segment sur Superman. Ce qui compte, là, c'est notre plan. C'est pour ça qu'on est là. Bon, c'est quoi le plan? Et si on fourrait ces balles de kryptonite dorées droit dans son cul? Je ne crois pas que ce soit l'objectif. L'un des meilleurs héros au monde. Vaincu par ça. Mm-hmm. Et t'es le prochain, Trudic. Mais oui, bien sûr. Allez donc dire ça à Wonder Woman. Ah, tu rigoles moins, là! Ordure! Le
toujours des questions. Task Force X, vous devez attaquer Superman quand il est affaibli pour l'exposer à la kryptonite dorée. Tu aurais dû passer plus de temps à travailler ta défense, Floyd. Mon but a toujours été de sauver cette planète. Et c'est ainsi que vous me remerciez, avec des balles en kryptonite. Je vois clair en toi, Arthès. Comme tout le monde. La kryptonite dorée commence à s'infiltrer. Continuons comme ça. Il faudrait inventer de nouvelles armes simplement pour m'écraser. Adieu, écrasé comme un insecte. J'aurais mieux fait de rester sous l'eau. Heureusement que le ridicule ne tue pas, hein, Captain? Vous voir comme je vous vois, mais votre insignifiance risquerait de vous décevoir. Regarde-moi bien, Charles. Si tu clignes des yeux, tu vas rater le spectacle. C'est un plan à la Icar, ça! Tu n'es pas très couvert. Faut briser ces foutues défenses. Allez, un dernier coup avec la kryptonite. Qu'est-ce qu'il y a, Superman? Tu veux des trous en plus dans ton ex? Compte sur moi. Hier, vous me jetiez des fleurs. Aujourd'hui, vous créez des armes pour me tuer. Vous m'avez blessé. Et je vais vous rendre l'appareil. C'est l'heure de ton grand final. Dans quel monde survivez-vous à ça? Dans quelle réalité êtes-vous une menace pour moi? Pas dans celle-ci. C'est terminé, Deadshot. Tu meurs aujourd'hui. Toute ma vie, j'ai déplacé ciel et terre pour vous protéger. C'est maintenant que la plupart des gens feraient leur prière. Je n'ai pas le temps d'énumérer tous les problèmes que cela va nous causer. Nous avons un problème plus urgent. L'énergie solaire va renforcer Superman et réduire les effets de la kryptonite dorée. T'es à bout de souffle, Deadshot. Arrête de faire le malin. C'est fini. Je pourrais rebâtir ce monde si je voulais. Mais Brainiac préfère repartir à zéro. Les deux solutions me font. J'aime beaucoup vous regarder souffrir. Faut croire que j'ai un cœur de glace. Le meilleur en statue grand dieu du char.
très simple. Contre-attaquez avec les ballons kryptonite dorés ou vous mourrez. Vous avez un rôle à jouer dans le plan de Brainiac. Vous devez mourir. À moi de vous dire si vous allez souffrir ou pas. Je t'arrête en plein élan. C'est un plan à la Icar, ça! Être fier. Je vais savourer chaque seconde patient avec des membres. Captain Boomerang a fait une paille en pleine tempête. J'étais vous, je m'accrocherai à quelque chose. Oh,
joué dans le plan de Brainiac. Vous devez mourir. À moi de vous dire si vous allez souffrir. Faut briser ces foutues défenses. Allez, un dernier coup avec la kryptonite. Il est temps d'en appeler aux forces de la nature. Vous ne pouvez pas? Moi, ça si. Ne sert à rien de vous cacher. Montrez-vous. Lancez-lui toute la kryptonite que vous pouvez! Herman n'en a plus pour longtemps. Ne le laissons pas revenir dans la course. J'ai beaucoup vous regarder souffrir. Il faut croire que j'ai un cœur de glace. Quand comprendrez-vous? Mes petits doigts ont plus de potentiel que l'humanité tout entière. Tu es bien loin de l'eau, mais dommage. Vous justifiez enfin l'intérêt que vous porte Brainiac. Cette violence dont vous êtes capable prend fin maintenant. Maintenant, je vais te briser. Il faut croire que les requins peuvent se noyer. La honte est vraiment lourde à porter. On dirait qu'à nous quatre, on a réussi à te renvoyer sur Krypton, Kal-El. Tu vas rester tranquille cette fois? J'espère vraiment qu'il est mort. Allez, profite du moment, Boomer. Mais c'est qu'on a réussi, mes enfoirés d'amour! On a tué Superman! Merde! On a buté toute la Justice League! Oh, légitime défense, bien sûr, parce qu'ils étaient tous méchants! Une bataille de titans. Une grande et glorieuse bataille. Mais il reste un ennemi. Personne trouve qu'il a changé. Il aurait pas un peu les jetons? Je ne crois pas qu'il ait de micro-expression, comme moi. On l'aurait déjà vu depuis le temps, non? Hé! Hurle maintenant ou repose en paix! Le score, c'est Task Force X, 4. Justice League et Brainiac, 0. Ah! Vous la sentez, cette vague de fierté pour ce que nous avons accompli. Ah, ça fait bizarre d'avoir du respect pour vous, les gars. J'en ai la gorge nouée. Shark, tu m'écrases. Je dirais qu'on est devenus de meilleures personnes en tuant tous ces gens. On s'en tape 5? Tu sais quoi, Queen? Ouais, top là. Fêter sa victoire prématurément. Typiquement humain. C'est moi qui mène la partie. Qui fixe les règles. Oui, vous savez qui je suis. Ces intellects inférieurs. L'instinct de survie. Si vous croyez que je vous laisserai survivre longtemps. Je veux vous montrer ce qui vous attend. Une sorte d'avant-première. Vous étiez sans doute trop occupé à tuer le Kryptonien pour le voir. Mais mon invasion continue. L'invasion jamais ne s'arrête. La nouvelle colue vivra. Dans votre univers. Dans tous les univers. J'en ferai une constante dans l'univers. Je reviens à vous quatre.
Comment avez-vous vaincu ma Justice League, hein? Vous quatre, votre chaos, vos captivants échecs, vos succès inexplicables. Pur, imprévisible, fascinant. Ah, ah, la marge d'erreur, je l'ai trouvée. C'est vous. Oh, il est un peu trop tôt pour me passer de fou. J'ai trop à apprendre. Vous serez à moi. J'exploiterai votre potentiel pour mon compte. J'avais déjà commencé, j'ai continué. Inutile de me remercier pour mon intervention. Nous avons des problèmes. Lex, faut que j'y retourne. J'ai même pas pu entendre ce que Brainman allait me donner. Il aura pas l'occasion. La prochaine fois que je vois sa sale gueule, je lui en mets deux dans le crâne. Je pense que Brainiac sera déjà mort, vois-tu, vu que je l'aurai mangé. Pas de problème, les gars, on lui tire dessus, on le bouffe, on le chie, voire même on retire dessus. Ça va être cool! Alors, on s'y met, Alex? On a un cerveau alien à buter. Non, des cerveaux. Quand Brainiac s'est révélé, il y a eu une réponse multistatique qui a traversé les dimensions. Donc, 13 Brainiac. Même si vous arrivez à en vaincre un seul, votre combat est loin d'être terminé. On peut se le faire encore et encore! 13 doses de vengeance. Un conflit éternel. C'est super, Lexi. C'est trop top, on va pouvoir faire les 400 coups en ville. Tous les membres de la Justice League sont morts. Il reste des tas de pauvres victimes à faire péter et de joujoux à piquer. Et pour couronner le tout, ou alors c'est que dalle. Ah. Oh, bordel de merde. Est-ce que vous pensiez vraiment que vous étiez discret? Qu'est-ce que je vous avais dit à tous à propos de jouer aux agents doubles? C'est vous, le papa. Exactement. Et ça fait quoi de vous? Je vous ai loupé la première fois, mais je ne répète jamais deux fois mes erreurs. Je vais utiliser cette technologie de phase que vous avez utilisée pour leur sauver la peau. Et ensuite, je vous contrôlerai. Parce que dans ce monde, moi j'obtiens toujours ce que je veux. Boomerang, attrapez-le. Assez vite, Boomerang. Vous êtes prévisible, Amanda. J'ai déjà une nanobombe implantée. Ironique, vu que c'est Luthor Corp qui a créé les nanobombes. Si vous jouez au plus fort avec ce Lex Luthor, tout explose avec moi. Attendez un peu. Lui aussi, ce serait Lex Luthor? Mais alors là, je vous jure qu'on savait pas! On peut tout vous expliquer.
Allez-y. On ne peut rien expliquer. Quand vous aurez fini de vous amuser, ramenez donc vos fesses par ici. Ah, ce Luthor est plus perfide que le précédent. Madame, on vous entend toujours. Oh, c'est pas vrai! Suicide Squad. Un surnom bien trouvé. Vu ce qu'il va se passer dans quelques minutes. Pro premier degré, peut-être. Ok, Brainiac. Tes dernières paroles, tyran, qu'elles soient mémorables. Parce que dans ce groupe, on perd vite le fil. Je me lance. Je vais briser vos corps, siphonner vos esprits et faire de vous mes pantins. Comment ? Avec ton gros cerveau ? Ça marchera pas cette fois. Non, j'avais envie de changer. Enfin, vous savez, juste pour rire. Je m'appelle Vrildox. L'homme le plus rapide qui soit. Eh oui, mes terminaux me renforcent moi aussi. Et grâce à eux, je peux préparer ce corps au combat, manipuler la vitesse pure et vous éliminer. Maintenant que je suis en pleine forme, si nous reprenions.
si vous restiez en place. Tous les grands chefs savent quand il est l'heure d'appeler des renforts. Certains pourraient qualifier vos efforts d'admirables. Je les appelle faibles d'esprit. Une surprise pour vous, Daphné et moi. Des afflictions toxiques. On dirait que notre tueuse à la main verte nous a envoyé des coups surprises. Ah! Vous savez que ce corps peut se régénérer, n'est-ce pas? Laissez-moi vous présenter des habitants de Métropolis. Attention, ils sont assez instables. C'était très amusant, mais il est temps d'en finir. Activez le protocole d'extermination. Filez avant qu'elle s'autodétruise. Il est temps pour moi d'utiliser mes pouvoirs à pleine puissance. Vous avez rendez-vous pour votre oblitération. Comment vous vous en sortez?
J'avais prédit qu'une telle chose se produirait. Je ne pensais pas la vivre, cependant. Mais dites-moi, qu'avez-vous à coup ? Bien. Reprenons. Nous devons fuir avec notre proie. Tu prévois vraiment de le porter jusqu'à terre, hein? Rien ne m'en empêche. Escouade 5, Mini Brainiac 0. Ok, c'était pas mal ça. Figurine Brainiac, un peu abîmée, mais dans sa boîte. Vendons-la à Toyman. Impossible. Je dois le dévorer, rappelle-toi. Et ensuite, un bon caca. Oh, allez, t'as déjà fait ton truc de requin de l'espace, là. Laisse les autres s'amuser un peu. Meuf, t'as juste exécuté ce putain de Batman. Et toi, t'as sorti un truc cool avant de tuer Lanterne. Je propose un sac plastique, un peu de baume à la papaye, et là, on insère l'autre cerveau dans... Non, non, non mec. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les quatre? Alors, où est Brainiac? Relax, Lex. On lui a bien fait sa fête. Oh, et merde. Nom de Dieu. L'outil de piratage ne fonctionne que sur une cible vivante. Je peux peut-être le modifier à temps avant la prochaine invasion extraterrestre. Ou devrais-je peut-être l'utiliser sur l'un d'eux? Harkness, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ben, comment tu veux qu'on passe toutes les portes du Skull Ship? Spécifiquement, toutes les anomalies non récurrentes. Elles sont uniques à chaque dimension. Donc, on fait mumuse avec plein de trucs cool venant d'autres univers. Et après quoi? La retraite? Eh bien, quand vous aurez réussi à vaincre les 13 Brainiacs?
Oui. Pas plus que 12. Une liste de cibles. Ça, on s'y connaît. Nous devons pénétrer dans le sanctuaire. Oh, maintenant! T'aurais pas dû faire ça, Shark. C'est Superman. Il va te botter le cul. Elle est avec nous. Oh.
Ça aurait dû... N'essaie pas de parler. Ça aurait dû le tuer. Il va récupérer. Soyez prêts. Shark, aide-moi à la porter. On a des médecins à l'intérieur. Je pensais que vous quatre étiez bons à rien. Prouvez-moi que j'avais tort. Elle est juste très fatiguée. Hein? Son cœur a cessé de battre. Tu es morte comme tu as vécu, ma belle. Avec classe. Et sans jamais nous écouter. Bordel, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Task Force X, repliez-vous!